repartons. Miam miam miam. On va boire un peu. Il a l'air de faire beau. Donc la dernière fois nous étions arrivés au sommet. Nous sommes toujours au sommet du mont Timberwolf. Nous sommes arrivés au sommet. Nous sommes là exactement. Enfin dans la grotte pour le moment. Mais sinon on est arrivé au sommet à la queue de l'avion et tout ça. Donc on avait trouvé, on avait ouvert deux frettes, seulement deux, et on a trouvé tout ça, c'est des vêtements la plupart du temps, enfin le plus qu'on a trouvé c'est des vêtements, voire c'est la seule chose en fait qu'on a trouvé, parce qu'il y avait un fret qui était complètement vide. Donc nous allons voir le reste maintenant, nous n'avons pas beaucoup à manger ou quoi que ce soit de très très intéressant, on n'a pas beaucoup d'eau non plus, il va falloir qu'on fasse de l'eau, donc... Je viens de me rendre compte que je suis pas précis du tout. La dernière fois, donc on a ouvert deux frettes. Un était vide. L'autre avait des vêtements. Voilà, c'est tout. Ah, des fois, hein. Faire des phrases et tout ça, que tout le monde peut comprendre, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de faire des phrases, des fois. Mon dieu, surtout quand on est super fatigué. Enfin, bref. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va ouvrir le reste des frettes. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. Une chose à faire aussi, c'est que j'ai pensé, on va peut-être directement descendre parce que ça dépend en fait de ce qu'on trouve. On va essayer de récupérer le plus possible de choses. Par contre, on a un vent en plein dans la face, c'est chiant. Mais on va essayer de trouver de récupérer le plus d'objets possible. Bon, après, c'est possible qu'il n'y ait rien du tout hein, dans les frettes, dans le reste. Bon, j'espère pas quand même. Mais si jamais on va directement descendre la montagne, à cheval, et... Après on ira dans la maison du tout début en fait, au pied du mont Timberwolf. Et on va peut-être tout mettre là, et après refaire le chemin pour aller récolter ce qu'on avait laissé dans différentes grottes en fait. Il y en a au moins deux ou trois de grottes qui peuvent être intéressantes. Et après revenir encore dans la maison et mettre tout à la maison. Donc en gros la maison du début sera le point de ralliement où on mettra tous les objets qu'on a trouvés dans la région. J'ai pensé à ça et après on fera des allers-retours en fait tout simplement. Bon, par contre, il fait très froid, donc c'est un peu la merde. Alors, ça, c'est bien. Donc, celui-là, on l'a ouvert, tout ça, tout est vide. Donc, les deux sont vides. Maintenant, on va passer à ceux-là. Si jamais on a besoin de réparer les scies, on va retourner au... Ouais, que ça. On va retourner à la grotte. C'est pas mal, c'est pas mal. On a plein de bois aussi. Un marteau. Après, il y a lui aussi à fouiller, mais bon, honnêtement... Oh ! Honnêtement, c'est juste un mec, donc je pense pas qu'on va récupérer grand-chose. Alors, attendez que je me loupe pas. J'ai l'impression qu'il y a moins de fret. Non? J'ai l'impression qu'il y a moins de fret que dans les autres modes. On a eu des pots. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai envie de casser des boîtes, mais il fait trop froid pour le moment. Et là, on peut pas y aller. Bon, on va rentrer. Après, je crois qu'on peut pas remonter en fait quand on va si on regarde le cadavre, si on prend le cadavre. Donc, le cadavre, ça sera quand on descendra. On va trier ce qu'on a récupéré. J'ai envie de dire que je suis assez déçu. On va voir. Je me demande s'il y a des choses intéressantes là-bas. Je pense pas. J'ai envie de dire que je suis... Ouais. Un peu déçu. Tiens, maintenant le vent s'arrête. Il y a vraiment... Ouais, non, il n'y a rien. Bon, après, comme j'ai dit, c'était surtout de l'aventure, en fait. C'était surtout...
y aller pour l'aventure parce que je savais qu'on n'allait pas récupérer grand chose non plus. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Mais j'aurais bien voulu, ouais, les pantalons thermiques là, les rouges. Je suis un peu déçu. On va rentrer se réchauffer. Aïe 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 aïe. Ok. Alors. Alors, lapin, loup, cerf, de cuir. Bah, à la limite, oui, les peaux, c'est toujours bien, parce qu'en plus, elles sont directement séchées. Donc, on peut directement les utiliser pour coudre. Après, le marteau. Pff, le marteau, ça sert à rien, honnêtement. Après on a ça, des apéritifs, c'est 600, c'est bien, mais bon, on a besoin de faire de l'eau. On a récupéré la tisane, ce qui est pas mal. Ah oui, c'est la tisane et le thé et le café, je crois qu'il fallait qu'on récupère. Ouais, maintenant ça me revient, c'est tisane et café qu'il nous faut. Ouais, c'est ça qu'on avait laissé. Je sais pas exactement, je sais plus quelle grotte on les avait laissés. Mais c'est ça. Et après, on a eu des médicaments. Ouais, c'est pas... C'est pas énorme. Combien de temps il faut pour réparer les vêtements avec les peaux? Genre, ça, 76. Réparer, 2 heures. Mais il faut les boyaux aussi, c'est vrai que j'ai oublié. Je suis en train de réfléchir. Ouais, on a plus ou moins fini, quoi. On a plus ou moins fini. Bon, par contre, je me rappelle plus le... Bon, ici matériaux. Après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres grottes où on n'a pas marqué? Genre celle-là, matériaux apparemment. Je crois que les... Je crois que le café et le thé étaient là. Je crois que c'est celui-là. Donc celui-là, je crois qu'il faut prendre... Une corde. Je suis pas sûr s'il faut prendre une corde. Je sais plus trop où est-ce qu'on avait laissé le thé et le café. C'est vraiment le thé et le café en fait qui est intéressant. Oui, non, attends, c'était après un fret. Donc. Conteneur de fret. Je l'avais pas marqué le conteneur de fret. C'est le sac à dos, c'est quand on est monté en fait de... Je me rappelle plus du tout. C'est pas grave. Je suis un peu déçu. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, il faut qu'on lise encore 3 heures. J'ai envie de finir le livre en fait, pour peut-être avoir le feu niveau 5. J'ai vraiment envie de finir le livre. Comme ça on n'a pas besoin de le prendre avec nous. Dis-moi que c'est assez. Yes! Allumage de feu maître! Parfait. Alors, fais voir un peu ce que ça nous donne. Allumage de feu maître. Alors, 90% de chance d'allumer un feu de base, c'est bien. Le feu se lance 50% plus vite. Se lance. Genre quand on le fait, c'est bien ça. Les feux durent plus de 50% aussi. Enfin, plus 50% plus longtemps. Et plus besoin de petits bois aussi. C'est du bon. C'est du très bon même. C'est du très très bon. Donc on n'a plus besoin du livre... c'est bien.
plus besoin de prendre celui-là. On peut le laisser là. Ah oui, c'est vrai qu'on a un fire steel aussi. Ouais, c'est pas mal. On va juste déposer toutes les peaux parce qu'elles sont un peu lourdes. On a 41 kilos. C'est le marteau aussi. Le marteau, on va le prendre, on va le descendre, mais c'est pas vraiment utile. On va prendre ça. Faut qu'on fasse de l'eau. J'ai envie d'aller casser les caisses, vite fait. Est-ce qu'on peut utiliser la scie? Ou la hache? Oui, il faut utiliser la hache. Je m'en rappelle plus. Je crois que la hache, il va falloir utiliser la hache. Parce que honnêtement, ce serait bien de casser toutes les caisses. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant à faire quand même. Mais sinon, on peut partir du mont. Je crois qu'on peut descendre maintenant et se casser. Et aller dans la maison. Et après, on retourne aux grottes, comme j'avais dit là. Pour pouvoir récupérer le thé et le café qu'on avait laissé. Et les bouts de bois. Je sais qu'on a plein de bouts de bois aussi. Qui doivent traîner un peu partout. Faudrait que j'aille fouiller là-bas. Ouais, je sais pas quoi dire. Je pensais quand même ressortir avec des trucs intéressants. Au final, on peut pas tomber sur les choses intéressantes. Il y a la photo à faire aussi, je sais. On va faire la photo. On pourrait faire un feu à l'intérieur, mais bon, c'est pas vraiment intéressant. Oh putain, une heure. J'aurais dû peut-être faire ça là. On a fait glitch. Je voulais voir ce que ça fait en fait. Je regrette. Je regrette. J'aurais dû casser celle-là là. Non, pas. Ah! 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 Huh. Du coup, bon, du coup, ça change un peu la donne. Ça change un tout petit peu la donne. J'ai envie de dire, non? Parce que là, ça fait quand même deux paquets d'allumettes et de l'essence. Ouais, la faim aussi. Oh merde, ouais, faut pas manger. Faut manger, faut faire de l'eau. Bon, on va pas pouvoir rester longtemps ici. Hein. On va pas pouvoir rester 3 heures non plus. Parce que si on n'a pas d'eau... Enfin, de l'eau, on peut la faire, mais on n'a pas de nourriture, en fait. Enfin, on a juste les biscuits. Et quand on va manger les biscuits, on va devoir boire. Je vais voir un peu ce qu'on a... C'était des... Je pense que c'est 2 x 12 qu'on a eu. Je pense que c'est 2 x 12. Ce qui est pas mal. Ouais, bon, on va boire le thé. On va boire le thé. Ok, très bien. Du coup, on va dormir une heure. Bon, on va aller casser les autres caisses. Hein. Pas les grosses, mais les petites. Je pense que c'est dans les petites qu'il y a des choses. Ok, cool. Je dirais que c'est dans les petites seulement, pas les grosses. Alors on pourrait faire un feu après à l'intérieur pour se tenir au chaud. Mais bon, ça casserait un peu le... Enfin, c'est récupérer des allumettes pour faire un feu en même temps, ça c'est cool. Après, on peut pas se permettre de casser... genre de faire de l'eau, par exemple, pendant qu'on casse les caisses. Parce que ça dure trop longtemps, en fait, de casser une caisse, même avec la hache. Bon, après, est-ce qu'on a eu de la chance?
Je sais pas, genre s'il faut, il y avait que celle-là avec des objets dedans, mais j'avoue que là, oui, ça vaut le coup de toutes les faire, en fait. Je vais pas le nier, parce que ça nous fait quand même pas mal d'allumettes. Si à chaque fois, il y a au moins une boîte, c'est cool. Genre celle-là. Celle-là, je la sens bien, celle-là. Celle-là est un peu cachée, je la sens bien, celle-là. D'accord. It's getting dark out here. I'm looking for shelter. Gotta warm up somehow. Ok, là-bas, on a froid. Ouais, c'est pour ça qu'il fait très froid. Elle était où la... Merde, elle était où la corde? Elle est là. On va rentrer dans la grotte. Donc, du coup on a plein de bois. Donc on a eu quoi en fait au final? Juste un bout de métal et... Et une corde. Une corde en plus, qu'est-ce qu'on en fait de la corde? Il y a d'autres endroits où on aurait besoin de mettre des cordes, donc à la limite c'est pas inutile. Mais le problème c'est qu'on doit se taper 5 kilos quoi, sur le dos. Donc c'est un peu compliqué à transporter en fait à chaque fois. Par contre, faut pas se louper parce que je vois rien honnêtement, je me repère au rocher et tout ça. Alors, on va devoir faire de l'eau, je pense. Bon, on a des allumettes et on a du bois, donc ça va. On a un peu de nourriture et à la limite, comme j'ai dit, on survit sur les tisanes. Donc ça se passe. On peut survivre sur des tisanes. Ok, déjà il fait chaud. Ça va être peut-être un peu compliqué de survivre avec des tisanes. On va devoir faire de l'eau. Très bien. Bon. Ah oui, ça va plus vite hein, quand même. C'est bien ça. Ah, directement, c'est 10 minutes. Hein. Ah ouais, oh la vache. Ça va quand même... J'avoue que ça va... Oh, par contre, c'est de l'autre côté. Ça va nous changer un peu la vie. Je suis d'accord. Je crois que le niveau 5 est pas mal. Est vraiment pas mal. Donc là aussi on a une corde.
très bien. On n'a pas les boyaux. Donc ça sert à rien. Est-ce qu'on peut... On peut à la limite... qu'est-ce que je veux dire, moi? Coudre? Ou récupérer le cuir de ces trucs-là? Je suis pas trop sûr, en fait. Je suis pas complètement sûr. Pour réparer les scies, c'est quoi? 30 minutes et on les met à 100%. Ah, le temps il s'est calmé. Une heure pour les recycler. Eau potable dans 10 minutes. Je sais pas trop quoi. Faut que je réfléchisse là. Faut que je prenne genre une minute ou deux pour vraiment réfléchir à quoi, à ce qu'on peut faire. Parce que... on a des cordes. On a deux cordes. Ça nous fait 10 kilos quand même. On peut pas reprendre la corde de derrière parce que sinon on va être trop lourd. Donc ça c'est fait. Donc en gros le mieux ça serait vers l'avant de l'avion, là faut de ce qui reste. On descend la pente avec les deux cordes et tout le bordel qu'on a trouvé ici. Mais bon putain on va être à 50 et quelques kilos quoi. Donc ça risque d'être un tout petit problème quand même. Ça risque d'être ouais, un problème. Parce que deux cordes c'est quand même balèze. Quand même balèze de faire de prendre deux cordes comme ça. Bon, je suis content pour les allumettes. Bon après quand même on a trouvé deux livres de feu là, ça nous a permis d'être au niveau 5 donc c'est pas si mal. Il nous reste celui-là, c'est bien. Non mais comme j'ai dit, faut le relativiser, on a quand même récupéré pas mal de choses. Hein. Ça va. Comme j'ai dit à chaque fois, on en sort un peu plus fort à chaque fois de ces aventures-là. On en sort toujours un peu plus fort. Parce qu'on monte en expérience et tout ça, donc ça va, c'est bien. C'est juste que c'est quand même un peu embêtant. J'aurais bien voulu avoir des meilleures choses, mais bon, là on a quand même du bon. Après, quand même, je m'étais suréquipé. Hein. Deux scies avec ça en plus et tout. Au final, une scie ça suffisait. Ouais, peut-être pas qu'une seule, parce qu'on est à 65 sur les deux. Ouais. Non, ça aurait pu passer. Non, ça aurait pu passer. Sans la réparer. Après, est-ce qu'on les répare ici, les scies? Je sais pas. Parce qu'au final, j'ai peut-être même pas envie d'utiliser la boîte à outils de qualité, quoi. Ouh, c'est quoi ce... cet effet? C'est quoi cette lumière, hein? Ah! Aurore boréale. Il n'y avait aucun ordinateur hein, dans l'avion, hein. On est d'accord. Hein. Ça sert à rien. Il n'y a pas de lumière, rien. Ah si, il y a genre de l'avion là, de la queue. Non mais il n'y a rien sinon. C'est bête, ça aurait pu être cool. Ça aurait pu être cool. Aussi. Ah du coup nos feux ils durent extrêmement longtemps.
Je veux pas dire, mais avec quelques morceaux de bois, ça y est, c'est parti. Ça, je crois que ces deux choses, ces deux cuirs séchés à chaque fois, je crois qu'on va devoir les garder sur nous. On peut pas vraiment les détruire maintenant. Quoique, dans un sens, on peut, mais on n'a pas de nourriture, en fait. De nourriture et d'eau, donc c'est un peu relou. Ouais, on peut manger des... Oui, on peut vivre sur des tisanes le temps que... Ça va faire quand même beaucoup moins lourd que... Ça va se transformer en 0,20 au lieu de 0,50. Parce que les chaussures c'est 50 à chaque fois et ça donne 2 cuirs et un cuir c'est 0,10. Donc on va quand même gagner en poids. On va peut-être descendre une corde mais pas les deux. Bon, faut commencer à réfléchir à ce qu'on prend et ce qu'on laisse. Bon, on va prendre une corde pour descendre. Ça, c'est fait. Après, on a ça et ça. Par contre, ça, il faut quoi, 2 heures pour les détruire, j'imagine. 1h30 et c'est un seul cuir. 1h30 de cuir. Ouais, non, mais c'est trop lourd en plus. Donc ça... Ça, on prend pas déjà. Comme ça, ça s'est fixé. La veste de ski, non. Ça, on n'en a pas besoin, on l'a lu. Donc la corde, oui. Les peaux. Alors la peau du loup, on en a rien à faire. La peau de lapin, on va mettre ça de ce côté-là. La peau de lapin et la peau de cerf, oui, on prend parce qu'on va les, on va pouvoir les utiliser directement. Tout ce qui est feu, je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Le marteau, on va le prendre aussi. Enfin, ça sert un peu à rien de le laisser en haut, c'est surtout ça en fait. Ça sert à rien de le laisser en haut. Tout ça là, c'est juste pour récupérer du tissu, c'est pas vraiment utile. C'est pas ultra utile. Ouais, non, au final, il n'y a pas énormément, quoi. Au final, il n'y a pas énormément à récupérer. Ça, on peut même en vider. Enfin, en laisser. On va peut-être même le faire maintenant. Enfin, quoique, vu qu'on descend la pente, on n'a pas besoin. On n'a pas de check en fait, de poids, et on prend pas de corde. Donc on peut quand même descendre extrêmement chargé, hein, c'est pas grave. Enfin, je pense, je crois bien. Donc à la limite, c'est pas grave. On a la photo à faire, on a la photo à faire. Qui est là. Nous, on va descendre comme ça. Je crois qu'on va passer par là, en fait. Directement pour aller à la maison qui est la maison sur le lac, là. Et après, on ira peut-être, on retournera pour faire la photo. De toute façon, on n'aura plus besoin de transporter les scies, le métal, etc. Donc, on sera beaucoup plus à l'aise pour se balader. Ouais, on peut garder ça. Le bois, comme j'ai dit, ce bois-là, on va peut-être le laisser. On a dessiné ici, je me rappelle plus, je pense pas. Si, on a dessiné. On va mettre... Je me demande quelle bombe elle a pris. Ah tiens, ça a marché pendant la nuit parce qu'il y a une aurore boréale. J'avais oublié ça.
Quelle bombe t'as pris que je pète un câble? Non, ça va, t'as pris la bombe qui était déjà commencée. Je me suis dit, s'il faut aller taper sur une bombe qui était neuve, ça va m'énerver. Ok, très bien. Ok. Très bien, très bien. Donc, ouais, il faudrait juste casser les chaussures. Je crois qu'il y a juste à casser les chaussures, là, en fait, qui m'importe. Il y a juste ça. Il y a juste ça. On va prendre ça. Il y a juste ça à faire. Après, je voudrais bien aller casser le reste des caisses. Mais je crois qu'on va le faire quand il fera jour. Ça marche pas. Ça marche pas. Ah ouais, non, mais le feu, c'est un peu abusé là. Genre ça fait presque une heure maintenant. Genre là, on est à 27. On arrive à 12. Donc ça fait quoi, 40 minutes à peu près, 45? 35. Je sais pas, je suis fatigué, je peux pas compter, je peux pas compter. Attendez, il fait moins de 30, moi j'ai le cerveau, il marche plus quoi, depuis longtemps. Non mais c'est vraiment... Ouais non, c'est un peu... Ben je crois que c'est un peu la première fois en fait que j'ai feu niveau 5, je suis pas habitué. Ouais mais c'est un peu... c'est abusé là en fait. On peut faire des feux qui durent extrêmement longtemps, c'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. On va faire de l'eau. Oh, du coup, je suis obligé d'attendre. Obligé d'attendre, du coup. On peut faire ça. Ouais, non, c'est vraiment cool. Le coup du feu, c'est vraiment cool. Cela, on peut faire des feux qui durent extrêmement longtemps, en fait. Sans trop de problèmes. Ok, on a 2 litres, très bien. Ça sert à quoi de faire un feu qui dure extrêmement longtemps? Ah rien, attendez, si on en met 3, on arrive à 5 là, la vache. Non mais ça sert à rien de toute façon. Ça sert à... on va dormir, ça sert à rien. On va dormir. On va faire tisane eau en fait pour se maintenir les calories. Mais sinon demain on va dormir maintenant. Ça on va le récupérer sinon je vais oublier. On va dormir maintenant. Et on va partir. On va partir. On va descendre le long comme j'ai dit. Après il reste encore des caisses à détruire. On va peut-être détruire les caisses, ça dépend s'il fait chaud ou pas. Ça dépend de ça en fait. À boire toutes les tisanes. De toute façon, on en a encore 15 de réserve. Ok, très bien.
un peu froid. Après, on pourrait prendre tous les objets direct déjà et se mettre là-bas. J'ai envie de dire. Comme ça, on aurait une idée en fait sur le poids. Non, putain. La peau que on en a aucune utilité, je la prends en premier quoi. Voilà, le reste, ça non. On prendra la corde qui est là-bas. Ça pas besoin. À la limite, j'ai envie de prendre du bois là et on fait un feu là-bas peut-être pour se réchauffer. On va voir. Si on peut pas se réchauffer en fait avec le sac de couchage, pour éviter de revenir ici parce que j'ai pas envie de me retaper encore un aller-retour. On pourrait prendre les baies aussi. Mais j'ai pas envie de me retaper encore un aller-retour en fait. Évidemment, le vent. Encore qu'il y a la marche automatique. Ah, c'est fun. Ah oui. Mais ouais, on va faire ça. On va prendre la corde et on va descendre. Par contre, on est à combien de kilos maintenant? On doit être à 45 déjà. Mais après, j'ai le bois, donc c'est pas grave. Bon, beaucoup de... Désolé, hein, beaucoup de parlotte et de moi qui réfléchis et tout ça pour savoir quoi faire et tout. Mais c'est vrai qu'en général, je suis un tout petit peu déçu pour en revenir à ce qu'on a trouvé. C'est vraiment quelques objets. Je pensais qu'on allait découvrir d'autres choses, mais ouais. C'est pas énorme. Ah, il va falloir aussi réfléchir à quoi faire maintenant. Comme j'ai dit, on va faire un aller-retour pour non, c'est vrai que ça s'arrête. Pour aller récupérer le café et le thé qu'on avait laissé. Une fois qu'on aura récupéré tout ça et qu'on aura vraiment fini avec le Mont Timberwolf, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller? Je crois que on avait dit qu'on retournerait vers. Je me rappelle plus. Le phare, je crois. Je crois qu'on avait dit ça. Je crois bien. Moins 4. De se réchauffer un peu, mais je sais même pas si ça va être suffisant parce que ça va faire plus 6. C'est pas énorme. Non, c'est vraiment pas énorme. On va peut-être devoir vraiment faire un café. Pas un café, hein, un feu. Deux caisses, je voudrais bien. Ah oui, yes. Trois caisses. Enfin, quoi que cela, ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose dedans. On va faire un feu. Quoique... Non, si, on va faire un feu, parce qu'on a, quand même beaucoup à... On doit quand même se balader quand on sera en bas. Eh, on est à 100% aussi. On est à 100% pour faire les feux. Je viens de voir ça. Come on, little fire. Oh, très bien. Bon, je crois qu'on a tout fait.
barely walk with this much gear. Oh, j'aime pas le faire comme ça. On est. Faut qu'on enlève du. Attends, on va faire ça. Un feu de 4 heures, très bien. Ça, on le laisse là. Là, c'est pas vraiment un feu de 4 heures qu'on veut, c'est le fait qu'il soit chaud en fait. 3, très bien. Oh merde, on est en train de faire des. Non, ça va. Ça va, ça reste quand même longtemps. All I can think about is food. On va savoir un peu faim. on va peut-être manger les massettes aussi. Ok, très bien. Ah, il fait déjà nuit? Mais merde, on s'est réveillé quand? Mince alors. Wesh. C'était pas prévu. Je pense qu'on va devoir manger ma soupe. On est à 45 kilos. On pourrait dormir. Je crois qu'il va falloir qu'on attende que la nuit passe. Se descendre. Descendre sans visibilité, c'est un peu la merde. Il y a... Quand réchauffement est apparu, il y a la tâche derrière le mot réchauffement. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui nous arrivait dans la gueule. Oh là 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 là. C'est pas trop difficile. Faudra voir de nuit en fait. Alors, on peut prendre des. Prendre des torches. Je peux entendre du bruit. Qu'est-ce qu'on fait? On dort? Je pense qu'on va dormir un peu. Une ou deux heures et ça sera et après on partira, on descendra. J'ai envie de la casser cette caisse, mais bon, il y aura rien du tout dedans. Allez, on va partir. On dort et on part. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah ouais, non, maintenant pour le feu, c'est vrai que c'est quand même utile, j'avoue. Parce qu'il nous faut quelques morceaux de bois pour directement faire un feu de genre 2 heures, 3 heures. Donc j'avoue que, ouais, c'est un peu... c'est top, quoi.
Bon, on va y aller. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas, c'est juste pour éclairer peut-être sur le chemin du bas, j'en sais strictement rien. Honnêtement. On va juste faire un dernier truc pour... pour le faire cuire. Pour le boire. On est à 50 kilos. C'est mauvais, 50 kilos quand même. J'ai envie de... Mais c'est ça au moins. Allez, on y va. Merde. Minute, ça. Allez, à l'aventure. Strictement rien. Là y a rien normalement. Ouhouhou, on va s'amuser. Je sais plus par où, comment je passais. Je crois pas que je passais par là déjà. Ok. Tout va bien. C'est rien cassé. Tout va bien. On s'est abîmé les vêtements, vraiment? Sans déconner? Nah. On a eu pire. Vous voyez, c'est très très simple. Putain. Ouais, c'est très très simple. Aucun problème. Vous pouvez suivre les torches. On n'a pas très froid. Avec la torche plus le bonus, ça va. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. De toute façon, au bout d'un moment, hein, une fois qu'on aura les deux chevilles de fête et les deux poignées de fée, il reste plus rien, quoi. Donc ça va. Ah, regardez. Hop, hop. Voilà, donc là... on en est à quoi là? Deux poignées, une cheville, il nous en reste encore une. Est-ce qu'on peut passer directement par là ou pas? On va passer par là. J'avoue qu'en pleine journée, ça aurait été beaucoup mieux, parce que là, j'ai un peu un petit doute. J'ai un peu un petit doute, en fait. Hop là. On a fait plus de la moitié, ça va. Ah. Ah. Non, attends. Là, ça va être un peu... C'est un peu... C'est un peu risqué. J'avoue que c'est un peu... J'avoue que là c'est un peu compliqué.
Est-ce qu'on voit le sol? On voit le sol, ça va. Il nous reste encore une cheville. Bon bah c'est bon. Hop. Bon bah c'est bon, on peut descendre d'un coup maintenant. On n'a plus de cheville, on n'a plus de poignet. Ça, c'est parfait. Par contre là c'est un peu... Ok, très bien. Vous imaginez faire le... Putain, c'est vrai que c'est un peu quand même. Le chemin inverse. Je suis pas trop sûr en fait. On est bon. Je conseille vraiment pas de le faire parce que là honnêtement... Non, là, non, ça passera pas. Là, ça devrait passer. Ok, contusion bénigne, c'est bien. On a vraiment les vêtements mal en point? Tout va bien, regarde-moi ça. Tout va bien. Voilà. Très bien. Regardez, on voit le sol! C'est magnifique! Oh putain, quand est-ce que ça finit? Par contre, j'ai un peu peur maintenant. Pourquoi ça clignotait rouge? Ok! Et ben voilà! Rien n'est impossible. Donc là, du coup, on est... Ah, je sais où on est. C'est où il y avait le loup. La grotte, elle est là-bas. Ah, est-ce qu'on avait laissé... Ah bah du coup, on n'est pas directement en bas, en fait. Je m'étais trompé par rapport à ça, mais pas directement en bas. Mais est-ce qu'on avait de la nourriture là-bas? On avait tué un loup, hein. Il doit être là-bas. On avait tué un loup. On va aller à la grotte, voir si on a laissé de la nourriture. Et là, il y a la corde. Ah, je me rappelle où on est, ça va. Normalement, il y a la grotte. Bah là, devant. C'est un peu sombre, je sais, mais... Non, on est bon. Par contre, attends, je vois rien du tout. Voilà, il y a un cadavre avec un ordinateur. C'est quoi ça? Du bois de chauffage. Il n'y a pas de viande, d'accord. Ok. Il n'y a pas de viande. Par contre, on a du bois ici. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est aller voir le loup qu'on a laissé, parce qu'on en a tué un de loup. Aller voir ça et le dépecer. Enfin, récupérer la peau. Pas la peau, qu'est-ce que je raconte? La viande, vous avez compris, je parlais de la viande.
Ah, très bien. Eh ben, on fait beaucoup de choses. Ah non, il y a une tempête, ça fait chier. Elle arrive au mauvais moment. Elle arrive au mauvais moment parce que du coup, moi je voulais directement aller prendre de la nourriture. Bon, du coup, là on n'a rien laissé. Donc, alors attendez, si on regarde la carte, nous on était là. On a fait ça. On a fait ça. On est descendu comme ça. Je sais pas si on pouvait descendre comme ça. Je sais pas. Je sais vraiment. Je pense que si j'étais allé sur le côté droit plutôt, je pense qu'on serait directement descendu là. Donc du coup, on va devoir se taper le chemin inverse. Il y a combien de cordes? C'est ça en fait. Ah, il y a peut-être pas de cordes. Faudrait passer par là, le ravin aux échos. Remonter ici pour aller récupérer les objets qu'on a. On va aller au ravin des échos. Genre quand on sort de la. Attendez. Oui, là, on est là. Quand on sort de la grotte, on va à droite. Ici, on va laisser genre la corde et tout ça. On va essayer de remonter là si on peut directement. Normalement, on peut. Et aller récupérer ce qu'on a mis là. Bon, par contre, ça c'est chiant parce que si on dort pas, on utilise beaucoup de calories et les calories on baigne pas dedans quoi. Donc ça m'embête. On baigne pas dedans. J'espère que ça va se calmer. Je devrais juste récupérer de la viande. Comme ça, on... Comme ça, ça se passe bien. On va pas récupérer de la viande dans un... Dans un blizzard comme ça. Ça serait un peu débile, non? Ah! C'est là qu'on avait laissé des... D'accord. J'avais pas fait attention que c'était là. Allez, monsieur le Blizzard, parce que là, honnêtement, les calories, ça me fait un tout petit peu peur. Ça serait vraiment bien que... On n'ait pas de problème par rapport à ça. On va prendre ça. Très bien. Ok, très bien. Ah merde, il faisait aussi froid que ça. Faire un feu juste à côté du loup. J'espère qu'elle y est toujours la carcasse. J'espère qu'elle y est toujours. What
Parce que ça fait un petit moment en fait, donc peut-être qu'elle y est plus. Sinon on va devoir partir. On va devoir partir. Je crois qu'on l'avait tué ici. Ou alors je l'ai complètement fumé. Mais... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. On va devoir partir. On va faire un feu pour se réchauffer et on va partir. On va faire un feu, on va faire du thé et on part. Comme j'ai dit, ce qu'on va faire, on va essayer de remonter pour aller à la grotte. Là, j'avoue que le surplus d'allumettes qu'on avait trouvé, qu'on a trouvé à l'avion, c'est quand même bien parce que là on a besoin de faire du feu tout le temps à cause du fait que on a besoin de faire des calories. Il fait chaud. On n'a pas vraiment besoin d'en faire, mais je veux faire du thé. Comme ça on aura le bonus aussi. Enfin, les tisanes. On a de l'eau, on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... préparer. Qui durerait pas une éternité. Ça a été déjà fait. Bien. Non. Très bien. On va boire une sur deux et après on se casse direct. Sérieux. Je voudrais juste aller récupérer ce qu'on avait laissé, c'est-à-dire le thé et tout ça. J'ai envie, dans un sens, j'ai envie de me dire, c'est peut-être plus safe de juste partir, enfin de revenir en bas là, avec dans la maison, parce qu'on avait laissé de la nourriture, on avait l'ours et tout ça. Et comme ça, on sera tranquille niveau nourriture et boisson. Et après, comme j'ai dit, on repart dans le mont pour récupérer les objets qui nous manquent. Je pense qu'on va faire ça, ce sera beaucoup plus safe. Parce que là, on commence à être bas en thé. Ça commence à être embêtant aussi, parce qu'on est quand même bas en calories. On doit jongler tout le temps. On va partir. On va se mettre à l'abri. Et du coup, on pourra tout poser, comme ça on sera beaucoup plus léger aussi. Donc on pourra aller récupérer tous les bois qui nous manquent et tout ça. Donc on a encore quelques épisodes ici. Et après, on trouvera
une nouvelle zone. Et je pense que ça va être le phare. On ira au phare. Faut que je regarde dans quel endroit on est allé dans la saison 5. Je me rappelle plus trop au début. Je crois que le phare, on est apparu au phare. Mais on l'a pas fait. Donc normalement, c'est... Attendez, nous on vient de là. Là c'est en T. Donc si on va à gauche, si on continue là-bas, après on remonte et c'est là où il y a la grotte. Mais si on va de ce côté, on retourne. Oui, on retourne sur le premier fret qu'on avait eu. Qu'on avait trouvé. Et on avait tué deux loups. Et un troisième dans la grotte, je me rappelle maintenant. Ah, l'épisode est un peu long, mais bon. On a la grotte juste à droite. Ouais, on est en lieu tranquille. Faut juste pas qu'on se fasse attraper par un loup ou une connerie, et on est bon. Il y a aussi l'élan à faire attention. Je crois que je l'entends. Moins de bruit parce que ouais, on a aussi potentiellement pas mal de baies et de champignons à récupérer. Okay, si c'est là où on a le thé et le café, je vais être super content, mais je crois pas que ce soit là. Par contre, il devrait avoir de la nourriture. Oh, si, c'est là. Oh, parfait. Vous voyez que c'est important de laisser à manger, des fois, des endroits. C'est là. Parfait. On a des boyaux séchés, on a ça. Ah, du coup, on peut rester là, en fait. On peut dormir là. On pourrait dormir là. On va pas le faire, on va partir. Le bois... On va laisser ça. Okay, très bien. Ça, on le laisse. Ok. Je veux être à l'abri, en fait, dans la maison. Parce que ce qu'on va faire aussi, c'est que on va faire un peu le tri. Là-bas aussi. Là, je voudrais bien aller à la plus loin que la ligne des arbres, là. Pour voir s'il n'y a pas des choses à récupérer. Genre, encore une fois, genre champignons et tout ça. Qu'on refasse un peu le plein. Parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup utilisé, là, sur la fin. Ouais, je voudrais juste aller dans la maison. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, on n'a plus de surprises. Ah, et comme j'ai dit, il faut que je fasse un tri dans mon inventaire. Je pense que l'inventaire... Oh, c'est un cercle sur le lac. Je crois que l'inventaire, je le ferai avant de commencer le prochain épisode. Parce qu'il faut que je réfléchisse sur quoi prendre, quoi laisser et tout ça. Enfin, on verra. Peut-être que je le ferai en épisode, je sais pas. Ça ira peut-être vite. Et faut aussi qu'on fasse la photo. On partira pas de la zone hein, sans faire la photo, évidemment.
Eh bien, cerf, c'est pas un élan. Oui, non, si c'était l'élan, il serait énorme. C'est le cerf. On va en profiter. Qu'est-ce qu'on est loin. Après ça va. On pourrait même pêcher. Eh ben, quelle aventure. Tout ça pour être au sommet du mont Timberwolf. Là-bas, il n'y a pas un truc qui bouge. C'est par là-bas qu'on va devoir passer pour la photo. Enfin, je sais pas. La photo, je l'ai jamais faite ici, en fait, parce que ça n'existait pas quand j'étais allé au mont Timberwolf il y a quelques mois. Donc, du coup, je sais pas vraiment par où passer pour la photo. On découvrira, de toute façon, comme j'ai dit, le mont Timberwolf, il est pas très très difficile à se... pour se repérer, pour se balader, hein. C'est des couloirs à chaque fois. Et là, maintenant, on sera beaucoup plus léger parce qu'on aura plus les... on aura plus à se trimballer tout ça, là. Donc, sera tranquille. Yes. Ah, mon dieu, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Encore une corde ici. Alors, le métal... ça... On pourrait même faire les flèches ici. Je viens d'y penser, avec tout ce qu'on a. On peut rester un petit moment ici, en fait, hein, parce qu'on a tout. On a tout à portée. Je vais pas... Je vais peut-être pas cracher sur le fait qu'on a tout à portée, quoi. Faut l'avouer, hein. C'est pas mal. Ouais, je crois qu'on va rester un petit moment ici. Encore quelques épisodes à tout récupérer, tout ce qu'il nous faut. J'avoue qu'on a vraiment tout à portée. On pourrait faire donc les flèches. On pourrait faire des nouvelles flèches. Ça nous... Pour l'eau sécher. C'est quoi pour les flèches? Je me rappelle plus. À chaque fois j'ai... Je me rappelle pas. Plus de flèches, c'est le jeune bouleau séché, donc c'est blanc, jeune bouleau séché, c'est blanc, donc on peut faire plein de flèches, on peut même faire un arc aussi, puisqu'on a un érable, mais on peut faire plein de flèches avec tout ce qu'on avait récupéré, on a plein de boyaux, donc on va pouvoir recoudre, on a notre peau qui est bientôt prête, c'est très bien. Non, c'est top, honnêtement c'est top. Bon, on va arrêter l'épisode ici, parce qu'il est déjà très très long. Mais c'est fun, je suis content. Attendez. Ça, on va poser là. C'est vrai que j'avoue, je suis assez content. On a une scie à déposer. Quoique, on va faire ça. On va mettre tout là parce que c'est 40 kilos. Genre, pop. 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 Ça. 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 Ouais, on va refaire nos flèches. On va refaire nos flèches, ça va être bien.
On avait des vêtements aussi. Et là, on a des. Je sais pas si. J'imagine que les antibiotiques, quand ils sont morts, on peut pas les reprendre. Enfin, on peut pas les prendre. Mais je suis pas trop sûr de ça en fait. Ah, très bien. Quoique. Ça. Ce livre-là. Quoique ce livre, on peut peut-être le garder pour. Oh, non, non, j'en ai. Okay, très bien, on est à 37. On est encore trop lourd. Ça à déposer, ça à déposer. On est lourd parce qu'on a ça. Et le café aussi. Transférer la tisane. On les prendra après. C'est très bien. Ok, je suis content. Je suis content. J'ai repris un peu du poil de la bête, comme on dit. J'avoue. J'étais un peu triste. Bon, ça, on va le virer, parce que ça me dérange. Voilà. Hop. J'ai repris un peu le poil du poil de la bête. Voilà. Là, ça va un peu mieux. Ouais, ça va un peu mieux. On est mieux. On est mieux. On est mieux. On est beaucoup mieux. On va se retaper. En fait, on va se retaper ici. On va se retaper. On va refaire nos vêtements, comme j'ai dit avant de partir. Ça, de toute façon, c'était prévu. On va récupérer des massettes, donc 10 à chaque fois. Et on va aller récupérer plein de champignons et tout ça. Et on va refaire les grottes pour potentiellement récupérer les bois. Comme ça, on fera plein de fûts de flèches. Et on redescendra du mont Timberwolf avec plein de fûts de flèches. Voilà, tout simplement, parce que pourquoi pas, quoi. Mais ouais, il faut qu'on aille chasser aussi, pour récupérer de la peau encore. Mais ouais, ça s'est bien passé. Épisode un peu long, un peu bizarre et tout ça. Ça m'a un peu déçu au début, mais voilà, désolé pour ça. Mais au final, ça va. Voilà, à la prochaine, ciao ciao!